Viens dans mon coin, ça bibi, quelques grammes de puff. J'suis tellement loin, jamais ralenti par les meufs. Hey, salut tout le monde, c'est RM6Z, j'espère que vous allez tous très bien, les amis, pour ma part, ça pas vraiment. Donc, exceptionnellement, vous pouvez voir que y a pas de vidéo Minecraft aujourd'hui. Donc, c'est vraiment exceptionnel, vous comprendrez pourquoi après. Donc, en fait, dans cette vidéo, je vais juste vous parler de quelque chose qui s'est passé hier. Donc, hier, on était le 20 août. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis tout simplement fait hacker mon PC. Donc avant de commencer les gars, je vous avertis juste que c'est pas un troll ou une blague, ça s'est vraiment passé. Donc je vais commencer par le commencement, ça me paraît mieux. Donc je joue au foot tranquille en fin d'après-midi. Enfin voilà, il n'y a pas de mal tu vois. Et tout. Donc je monte dans ma chambre, pour regarder des vidéos, tu vois, normal. Et là je vois Skype en fait ici ouvert avec une discussion, c'était entre un de mes potes et un mec anglais. Et ce mec en fait il avait plus le contrôle de mon PC. Je sais pas quel moyen. Donc, bref, par réflexe j'éteins mon ordi puis je le rallume tout de suite. Donc en fait à ce moment là il y a une page de conversation qui s'est ouverte en fait au moment où j'ai redémarré. Et en fait la page je pouvais pas la fermer et elle était nommée chat with hacker je crois, un truc comme ça. Et en fait le hacker en question il me dit hi. Et donc saoulé en fait j'éteins de nouveau mon ordi puis je coupe la connexion. Donc après je redémarre mon PC encore et là en fait je vois un message qui était écrit en fait il dit que tous mes fichiers étaient cryptés. Je sais plus exactement le message parce que c'est un message anglais. Donc après les fichiers impossible de les ouvrir. Et puis en fait c'est là que j'ai compris que j'ai pris un putain de ransomware. Après plusieurs forums, en fait c'est impossible de décrypter les fichiers. Après j'ai tenté le tout pour le tout quand même. Donc j'ai installé un antivirus en plus du mien que j'avais. Et en fait ça n'a pas suffi bien parce que il a été désactivé par le hacker. Donc je vois pas comment il est rentré dans mon ordinateur parce que j'avais pas de logiciel malveillant ou quoi. Tu vois le délire. Et donc après j'ai essayé la fonction Windows restaurer un point de restauration, un truc comme ça. J'avais déjà fait ça mais là pour ça a pas marché. Donc en fait ça m'a foutu les boules, là j'ai toujours, à l'heure qu'il est, j'ai toujours les fichiers cryptés. C'est l'heure où je tourne cette vidéo. Et puis voilà, donc après j'ai reboot mon PC, après que j'ai fait des analyses avec les antivirus, j'ai redémarré le PC puis en fait le virus a disparu. Donc déjà ça fait un soulagement, mais bon j'ai quand même perdu toutes mes données donc ça fait un peu chier. Donc je pense que je vais procéder à un formatage d'ordinateur pour recommencer tout à zéro. Parce que si je supprime les fichiers infectés un par un, en fait ça va me prendre une éternité et puis sinon vous aurez pas de vidéo avant des semaines. Donc je pense avoir fait le tour, c'était vraiment rapide. Donc je préviens que si vous voyez qu'il y a moins de vidéos en ce moment, c'est pour la bonne raison que je réinstalle tous les logiciels. Donc tout ce qui est Camtasia, Photoshop, Audacity, tous les logiciels que j'ai là. Je vais surtout réinstaller. Donc cette vidéo elle aura aussi pour but de vous encourager à bien vous protéger. Enfin, vous encourager entre guillemets, vous inciter plutôt à bien vous protéger avec votre ordinateur et puis surtout pas avec n'importe quel antivirus. Prenez-en de préférence payant, il vaut mieux. Il vaut mieux payer quand même, je sais pas combien, une cinquantaine d'euros à l'année, voire un peu plus, un peu moins, mais être sûr d'être protégé, quand même avoir un gratuit, et puis il laisse passer pas mal de virus, comme moi. Donc, comme d'habitude, les amis, mettez un like. Pour me soutenir, ça fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis commentez la vidéo, puis partagez-la à vos amis pour les informer que maintenant il faut être de plus en plus protégé sur vos PC, c'est important. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Peace. Expecto Patronum on a nigga. What?
If my fire gon' run up on me, then I'ma put my one to the nigga. Ayy, run in the back of my